Hello les bricots, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver au magasin Carrefour de Lille-Adam pour une nouvelle vidéo d'arrivage spéciale bricolage. Et je suis très contente d'être là puisqu'ils ont sorti une nouvelle gamme d'outils. D'ailleurs, j'ai l'occasion de vous les présenter. Je vais vous préparer une vidéo spéciale sur cet article et sur celui-là. On peut commencer par ceci, hein, la perceuse multifonction 4 en 1. Donc je l'ai à la maison, j'ai hâte de la tester. J'y vais juste après, je voulais juste m'assurer que tout était bien en magasin. 20 volts, 2 ampères-heure, donc autonomie 60 minutes avec les petits voyants LED. 0 350 tours minute pour la scie, 0 1400 tours minute pour outil multifonction. Alors attendez, je vais essayer de le manipuler parce que c'est super lourd. Voilà, vous avez la tête multifonction, donc la tête perceuse, la tête multifonction, la scie sabre et ça c'est la ponceuse. Pour la tête de perceuse, donc c'est du 30 Nm. Donc les réglages c'est 22 couples plus 1. Pour l'outil multifonction c'est du 0 20 000 tours minute, ok. Et pour la scie sabre 0 20 000 tours minute aussi. Longueur de coupe, de course pardon, c'est 15 mm. Ça c'est vendu 75,90 €. Alors c'est équivalence Parkside pour pas les citer. Et voilà ce qu'a voulu proposer Carrefour dans leur rayon. Et franchement c'est du bel outillage. Moi j'ai juste ouvert la mallette, mais je vous en dirai plus. Juste après. À côté, à 50 €, vous avez des coffrets perceuses à percussion, 20 volts, 2 ampères-heure. J'ai oublié de préciser, il y a les batteries avec, hein. Donc ça, c'est important. Par ici, donc à 50 € l'outil complet, réglage du mandrin 13 mm de diamètre. Diamètre de perçage dans le bois, c'est 30, 13 dans le métal et 15 dans la pierre. Voyant LED, toujours 45 Nm. 0 1650 tours minute max. Il y a aussi des ponceuses excentriques ici à 45 €. Vous voyez en plus le prix, il est plus qu'attractif. C'est du diamètre 125, 12 000 tours minute. Pareil, autonomie 1 heure. La meuleuse d'angle, elle est à 60 €. 10 000 tours minute, 125 mm de diamètre. M14. On a les marteaux perforateurs pardon, ici. Ceux-là, ils sont vendus 65 €. 6000 coups par minute. 16 de diamètre dans le bois. C'est du 1 joule 3. Ah, j'avais pas vu ça. Le mini outil multifonction en 160 watts. 40 000 tours minute. C'est 22 € seulement. Pas mal. Je l'ai dit, la gamme, elle est ultra complète. Ultra ultra complète. Il y a des perceuses visseuses aussi, la base à 40 €. Et ici, c'est des scies sauteuses à 50 €. 0 2700 tours minute. Angle à 45 degrés. Donc voilà, là il y a toute la gamme Carrefour bricolage. Et c'est pas fini, hein, je vais vous montrer tout le reste des offres. Juste ici, je suis passée devant et je voulais pas montrer, il y a des projecteurs doubles, donc LED. Avec support, protection IP65, donc ça c'est vendu 46 €, 4000 Kelvin, 2500 lumens, la hauteur c'est 1m71, c'est réglable. Hein. Double tête, réglable à 360 degrés. J'ai oublié de vous montrer la scie circulaire, elle est à 45 €, donc avec le voyant laser, 2200 tours minute, 5000 tours minute, c'est du 1350 watts. 65 mm de diamètre à 90 degrés et 44 mm à 45 degrés. Cap d'alimentation ici, c'est 3 mètres. Aspirateur eau et poussière, cuve de 30 litres, 16 kPa. C'est 50 € ça, donc c'est 1200 watts en puissance. 48-78 cm ici, la longueur réglable. Fonction nettoyage du filtre. 50 €, il est pas mal hein, visuellement aussi, il est bien. Ce que vous voyez là, ce sont des échafaudages du jardin, ils coûtent 130 €, donc garantie 3 ans. Alors pour les dimensions, donc charge max ici c'est 150 kg, j'exagère. Alors pour la hauteur jusqu'à 2,39 m et extensible jusqu'à 3,50 m, 1,16 m de largeur. Ah oui, 3,50 m c'est pas mal. Pas mal du tout, donc il y a deux roulettes, 130 €, dites-moi ce que vous en pensez, le prix il a l'air bien. À côté il y a des échelles télescopiques à 120 €, pardon.
Donc, usage professionnel et domestique, hauteur de travail 4,56 m, charge max 150 kg toujours, et hauteur dépliée 3,80 m. Échafaudage pliable, ça coûte 70 euros. Donc, c'est en acier, hein, c'est celui-là. Alors, jusqu'à 3 mètres de hauteur, 88 de largeur. Simple à ranger, système de pliage central. Et charge max, c'est 150 kg, ça ne change pas. Comme vous pouvez le constater, ça va être la saison du nettoyage de printemps. Nettoyeur haute pression. Alors là, il y en a plusieurs. Il y a, alors ça, c'est un aspirateur à 239 euros en Karcher. C'est le KWD6, 1300 watts, 25 litres, câble 6 mètres et le tuyau, il fait 2 mètres 2. Voilà. Je crois que c'est le dernier arrivé, hein, le KWD6. Ici, on a le Karcher K5. Alors, il y en a un qui est arrivé après, le K6. Donc, le K5, il est à 300 euros, celui-là. Donc, pour la performance, c'est 40 mètres carrés par heure, 145 bars, 500 litres par heure et c'est 2100 watts de puissance. Donc, il y a plein d'accessoires qui sont fournis avec. Le tuyau jusqu'à 8 mètres, il y a le filtre à eau. Il y a le pistolet Vario Power Jet. Vous avez un petit nettoyant pour les façades. Ça, je ne sais pas si c'est un bon prix. Mais les 4 bobines, c'est toujours utile en tout cas. Les 4, elles sont vendues 5 euros. 4 équivalent 32. Voilà. Et ici, on a un autre Karcher à 130 euros cette fois-ci. C'est le KHP2 pour la référence. Donc là, c'est plus petit en termes de puissance que le précédent que je vous ai montré. La performance est du 20 mètres carrés par heure, 110 bars de pression, 360 litres et 1400 watts, ce qui est largement suffisant pour de l'usage domestique. Alors là, il y en a un autre, j'ai vu, mais j'ai pas trouvé le prix. Peut-être qu'ils viennent de l'installer, parce que je vois que la dame, elle est encore en train d'essayer plein de choses. C'est E-Tech, la marque. Et ce que je vais faire, c'est, je crois qu'il y a une borne là-bas, donc je vais aller le tester. Et ben, pas besoin, l'étiquette a été derrière. Il est à 50 euros seulement, donc c'est un 135 bars 1600 watts, 426 litres par heure en termes de débit, pas mal, 50 euros. Alors après, à voir ce que ça vaut, mais en usage domestique, moi je me dis ça suffit amplement parfois. Allez, je suis allée au rayon bricolage parce que je voulais voir un petit peu ce qu'ils avaient en offre Black & Decker. Je sais qu'il y en a pas mal qui aiment bien cette marque, donc je vous propose qu'on découvre ça ensemble. Alors la meuleuse d'angle, en plus il y a une offre, c'est parfait, elle coûte 60 euros, donc c'est du 12 000 tours minute, 125 de diamètre, et voyez, vous avez sur la carte une remise fidélité, ils vous mettent 30%, donc 17,97 € sur la carte, que vous pouvez après utiliser comme vous voulez. 60 euros moins 30 sous forme de remise fidélité. À côté, qu'est-ce qu'on a? On a une perceuse sans fil à 150 euros en 18 volts, 40 Nm. Alors, c'est garanti. Moi, ici, c'est ça. C'est garanti 2 ans seulement le Black & Decker. Vous avez la batterie qui est incluse ici. Et là, bon, vous avez dû le comprendre, c'est une filaire hein, en 900 watts, mais j'ai pas la longueur du cordon d'alimentation. Par ici, vous avez encore en Black & Decker, on a deux produits ici. On a une perceuse visseuse, dévisseuse à 28 euros en 40 Nm et une scie sauteuse pendulaire à 60 euros. Donc 550 watts par ici, 1500, 3000 tours minute, angle de coupe 0,45 degrés et voilà. Perceuse à percussion, donc là on est sur une offre ultra complète, hein. Il y a 120 accessoires qui sont fournis. C'est 190 euros la mallette. Avec les batteries, bien sûr, en charge rapide. Voilà le contenu. Donc, vous avez trois batteries, plus tous les embouts. Là, c'est vraiment... je pense qu'en usage domestique, on est sur quelque chose de pas mal, de bien complet. Et pour finir ici, les bricots, il y a la foire au prix rond. Je ne sais pas si vous vous arrêtez dans ce genre de bac. Moi, je suis toujours attirée pour voir un peu ce qu'il y a. Alors, les petites pinces ici que vous voyez là, les pinces de serrage, c'est 6 euros les deux. À côté, alors ça, je pense que c'est plutôt pour des gens comme moi, c'est un ouvre-tout 5 en 1, ça coûte 3,50. Les gants Cogex, les gants de précision de travail, c'est 5 euros la paire. Par ici, on a des disques Cogex aussi, les disques diamants, turbo-ventilés, 110 de diamètre, 8 euros les deux. Toujours en Cogex, par ici, les mini-pinces gainées,
Ça, c'est 10 euros les 4. Et là, on a des petites boîtes. Mince, j'arrive pas à la sortir. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va essayer de pas tout défoncer. Ah ouais, ok. Coffret à douille, donc les 38 pièces, 12 euros. Donc la clé à cliquer 3 sur 8, réversible. Allonge 70 mm, l'adaptateur, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, tout est là. Ça, c'est pas mal aussi. Les grattoirs vitres avec 30 lames, c'est 8 euros. Voilà, que des petites choses pour l'usage du quotidien. Les couteaux de poche ici. Ça, ça coûte 4 euros. Pince Bruxelles, sans jeu de mots. 2 euros les 4. Voilà les bricots, ma vidéo du jour est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker cette vidéo. Je vous retrouve bientôt pour vous présenter cette gamme, puisque c'est vraiment l'objet de ma vidéo. Ça mérite quand même toute votre attention. Je pense que ça vous plaira. Je vous dis à plus tard. Bye.